Vous avez dit que ce serait tendu, les gars. Ce que je vous avais pas dit, c'est que Bradley Beal joue aux Sixers. Bradley Beal, Joel Embiid, Tharise Maxey, James Harden. Mes frères, mes gros, mon meilleur coéquipier, c'est Banquero. Et encore, peut-être Tyler Herro, je suis même pas sûr. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Là, vraiment, je sais pas quoi vous dire, c'est super chaud, les gars. Abonnez-vous, likez, vraiment en masse, les gars, parce que dites-vous que la semaine prochaine, mercredi, il y a moyen, il y a la première vidéo NBA. Les amis, vous l'avez vu avec le petit best-of que je vous ai fait juste avant là. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs, rien que ça, ça mérite un like. Je me suis donné, j'ai transpiré. Hein. Et j'ai pété des câbles aussi. Ah, je te mens pas les gars, j'ai pété des câbles. Mais frérot, quand tu mets 40 points et que tu perds le match, ça casse les couilles, frère, c'est bon. Mais putain. Je vais pas vous mentir les gars, le Magic il va pas rester dans mon cœur. Ah, je vous le dis. Mais nous devons tout donner les gars pour ce qui peut être peut-être le dernier match du MPG. Les amis, nous sommes partis pour ce Game 7. Les amis, on est parti pour ce Game 7 face aux Sixers de James Harden, Juju, T-Bull, Reed, Tyrese Maxey, Bradley Beal, DeMarcus Cousins, que j'avais oublié, que je vous avais même pas cité juste avant. On est évidemment en 8 minutes le carton, évidemment en Hall of Fame. Ça c'est bien pour commencer les gars. Donc, nous avons un exploit à réaliser à domicile face aux Sixers, messieurs dames. Ah les gars, vraiment, je vous mens pas, les plans... On déjouait totalement, hein, je vous cache pas les gars, parce que moi les gars, je vous disais la semaine dernière, oui, incroyable, ouais, bon, 3-2 épisodes maximum, ok, bon, encore une cut, marquez le foot qui passait dans le 5 majeur d'ailleurs, moi je suis repassé arrière, je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai montré les petits plans avant, je suis repassé arrière et marquez le foot, c'est passé meneur et ça marche mieux, hein, je vous l'avais déjà dit, mais quand j'ai quelqu'un qui peut toucher la balle à côté de moi, c'est beaucoup mieux pour le MPG. Mais bref, ouais, j'étais en mode, ouais, 2 épisodes, 3 épisodes max, et ensuite c'est fini, il y a le MPG. Quitte, franchement, j'avais tout bien calculé, les gars, vraiment. Il me restait 3 semaines, quitte à ce que je sorte 2 vidéos carrière dans une semaine si j'allais en finale NBA, tu vois ce que je veux dire. Frérot, on est sur un Game 7, victoire ou la tête basse selon NBA. On est sur un Game 7, les gars, vous regardez cette vidéo, on est le 24 ou un truc comme ça, août, quoi. Donc on va dire que les plans ont échoué, hein. Le plan a échoué. En tout cas, les gars, on va essayer de tout donner face à cette équipe qui est incroyable des Sixers. Je sais pas comment c'est possible qu'elle ait fini 5ème de conférence. On va au rebond, bien ouais, j'ai la défense. Et le rebond du joueur français. Je sais pas comment elle a pu faire pour finir 5ème de conférence. À mon avis, je l'avais dit tout à l'heure, mais Bradley Beal était blessé, donc là il est revenu, il joue sur le banc. Ok, Iso. On avait un petit peu de shoot externe sur les derniers matchs. On l'a toujours! On lâche toujours le shoot externe. Let's go. Dites-vous que je les ai tous enchaînés les matchs. Hein. C'est pour ça que les gars, là, je suis exténué. Hein. La tête d'Oam. Non, parce qu'en fait, moi, là, les gars, bientôt, je pars en vacances, t'as vu. Du coup, je vous tourne tout à l'avance.
Du coup, j'étais vraiment en mode, vas-y, ça va être tranquille, on va aller jusqu'en finale NBA. Mais j'avais oublié un petit détail. Bah, c'est que tous les matchs, tu peux pas les simuler, les matchs de playoff. C'est à toi de les jouer, mon ref. Donc, là, je suis exténué, je suis fatigué. Hein. J'ai un haut de sport, frérot, je peux te dire que je me suis donné. Hein. Bien défendu, attention, 3 secondes. Pick and pop. Allez, Markel Fultz, ça a marché toute l'année. Nice, magnifique. Magnifique. C'est ouf comme ça change hein, quand j'ai Fultz à côté. Hein. Je préfère 100 fois Fultz à Tyler Herro. Hein. Et pourtant, Herro a une bien meilleure note, 84. Même Wemby, il a presque autant. Ça, c'est une dinguerie en vrai. J'en ai pas trop parlé lors de la dernière vidéo. Mais dites-vous que Wemby a une meilleure note que Russell Westbrook. Dites-vous que Wemby a presque la même note que Jamal Murray. En vrai, d'un côté, je suis content. Hein, c'est un joueur français. Donc, je suis content que ça lui arrive et tout. Ouais, incroyable. James Harden qui fait pas des playoffs de zinzin. Hein. C'est plutôt Bradley Beal et Jojo qui sont pas mal. Mais en fait, je trouve que Touquet en fait tellement trop sur. Merde. Sur le système des notes et tout. Dites-vous que les gars, moi là, je tourne la vidéo. On est le 11 août. Vous, quand vous regardez la vidéo, on a sûrement des nouvelles sur NBA 2K24. Ah, Bradley Beal qui est passé sur nous. Est-ce qu'il s'aime, hein? I was kidding, man! Frérot, t'as pas Maxi sur toi, t'as Bradley Beal, t'as James Harden. Tu le passes, tu tapes Joel Embiid dans la raquette, c'est un délire, frérot. Et après, on va me dire, nanani, rejoins pas une équipe trop cheatée. Ok, je vais aller. Voilà, allez, oup, merci. Vraiment, le plus important, ça va être quand je sors, lorsque je re-rentre, qu'il n'y ait pas un écart de mammouth. Juste pas d'écart de mammouth. On veut un petit écart, si vous voulez, mais voilà. Okay, bonne défense du MPG, comme d'hab, hein. Ne bouge pas. On aura les deux carrières différentes et tout. Mais dites-vous que les gars, là, dans une semaine, normalement, je dis bien normalement, j'aurai peut-être du contenu à vous proposer. Je suis pas encore sûr. Ok, le coach me sort et me re-rentre, il reste 5 minutes et on est mené de 2 points. Ça va. Je suis pas encore sûr à 100%, mais peut-être que j'aurai la semaine prochaine, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Ça dépend aussi si je gagne ce match ou pas. Il y aura du contenu NBA 2K24, les gars. Let's go. Merci, MPG. En vrai, ça va que ça manque par rapport à 2K, ça manque les anciennes démos. Moi, j'étais pas le premier fan des démos parce que je trouvais que ça cassait peut-être un peu la hype et tout. Mais finalement, ça me manque tellement. Eh merde. Oh là là. Vous savez, il fut un temps où on avait un espèce de prélude sur 2K. Ou genre vers le 16, 20 août, je crois, un truc comme ça. On avait une démo où en fait, tu pouvais. Il y a eu un prélude où on pouvait commencer les matchs universitaires. Et on avait une démo à un moment où on pouvait créer le perso à l'avance et tout. C'était trop bien, frérot. Il y avait rien de mieux pour nous hyper en fait, tu vois. Encore la prise à 2. En même temps, je suis déjà à 17 points. Eh, la défense, elle est incroyable. Vous voyez pourquoi j'ai perdu pas mal de matchs, les gars? À gauche, shoot direct. Voilà. L'action qui vient de se dérouler là, sur les défaites qu'il y a eu avant, ça s'est passé tellement de fois. Prise à 2. Sauf que le problème, c'est que j'ai personne à qui donner la balle. Et le problème, c'est que chaque personne à qui je donne la balle, elle est super bien défendue. Et on veut un système, mon ref. Ok. Ça passe à rien, du coup on va bouger. Hein. Voilà, merci. And one. Mes joueurs, ils tremblent. Mes coéquipiers, ils ont peur. Game 7, ils ont peur. Pourtant, c'est historique. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu un Game 7 à Orlando, les gars. On va peut-être pas gagner le titre NBA. En tout cas, on est déjà dans l'histoire. En peu de temps, on est rentré dans l'histoire du Magic, les gars. Imaginez après, le MPG prend sa retraite, genre. Imaginez après 2 saisons NBA, le MPG prend sa retraite. Dit Goat out. Encore une prise à 2. Markel Fultz tout seul. Allez, mets-le, frérot. Mais faut shooter, mon pote! Gros, mais c'est une catastrophe! Frérot, mais shooter! Fultz, t'es loin d'être le pire shooter, est-ce que je sais, je t'appelle Ben Simmons? Non, je crois pas. Donc shoot, et voilà. Vas-y, frère, putain. Ok, prends l'écran, il le prend, hop. Il me la donne, il me reste encore 6 secondes pour shooter. Je suis obligé de prendre un vieux shoot. Je suis tout seul, les gars, je suis tout seul, j'ai envie de péter un câble. Mais je peux pas, les gars, c'est peut-être la dernière du MPT, je peux pas finir en pétant un câble. Je peux pas casser une manette, ça coûte cher, les manettes. En plus, le mois d'août sur YouTube et Twitch, forcément, c'est calme, c'est l'été, on attend tout qui 24, on attend la nouvelle saison basket. Donc forcément, j'ai fait un petit mois, j'ai pas les sous pour mettre 50€ dans une manette. Ouais, c'est bon. Mais en vrai, est-ce que c'est si important une manette? Est-ce que c'est si important une manette? Moi, je pense pas. 8 ans, 19 points, 5 rebonds, une inter, on est mené de 11 points. On peut encore revenir. Mais je trouve qu'on a de la chance d'être si proche. D'être que à 11 points de retard.
J'espère vous kiffer, les gars. Accrochez bien votre culotte là. Hein. Ça va être chaud, sa mère. Ok, les gars, deuxième mi-temps, on passe en mode focus. Hein. Là, pas le temps de niaiser. Ça me ferait tellement chier de perdre maintenant. En vrai, je me suis donné de ouf, hein, mais ça me ferait chier, tu vois. J'ai pas la prise à deux. Casse-toi, Wendell. Mais oui, mais Wendell, tu viens en aide! Mais putain, pourquoi tu viens, Wendell? Si tu viens pas, frérot, ça rentre! Putain, mais quel gros naze! Devant à gauche, 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 devant à gauche. Putain, enfin, frérot, voilà, merci. Donnez-moi la balle, je m'occupe du reste. Je connais, les gars, on a gagné un titre avec LeBron. D'ailleurs, en parlant de titre de rookie de l'année, meilleur défenseur, tout ça, MVP. Je sais même pas si j'ai fini rookie de l'année. Non, ça c'est sûr, parce que c'est la deuxième année. Je sais même pas si j'ai fini MVP ou pas. Parce que, bah, comme vous savez, sur 2K23, on n'a pas de maison. Enfin, on a une maison qui sert à rien. On n'a pas de garage où tu peux jouer, où tu vois l'armoire à trophées. En vrai, l'année prochaine, on aura deux persos. Un sur la carrière YouTube, un pour la carrière Twitch, d'accord? En vrai, où j'emmène mon meneur? Parce que je ferai un meneur. À vous de me dire, les gars, là. Dites-moi dans les commentaires. Let's go, baby. Où est-ce que je pourrais emmener mon meneur? Est-ce que je l'emmène comme 90% des gens feront à San Antonio? Ou est-ce que je l'emmènerais dans une grosse team? Genre au Heat, si jamais Damien n'y rejoint pas, mais bon... Ou aux Clippers? J'ai jamais joué aux Clippers. Quoi qu'il en soit, les gars, j'aimerais jouer dans une équipe où j'ai jamais joué. Au moins depuis 3... Si c'est bon, je la ferme, je me concentre, les gars, hein, désolé. Ok, on a un système. Allez, Markel, s'il te plaît, fais quelque chose de bien. On y va. Un one. J'ai plus de cardio, hein. Le coach va me sortir. T'as le Riro rentre. Un encaliste, je sais même pas c'est qui, là. Pff, on connaît même pas le gars. Bradley Beal. Melton. Cette équipe, elle est incroyable. Et moi, j'ai même pas réussi à faire venir Kuzma, frère. Bonne aide, super. Frérot, on est deux. Ok, le coach me sort, les gars, il était temps, parce que mon joueur est crevé. Là, j'ai vraiment peur, les gars. Fin du troisième quart-temps. Le match se joue peut-être là, maintenant. Hein, quand le coach va me rentrer. Oh putain, j'espère que le match est encore serré. 14 points de retard. On rentre sur Bradley Beal. On a 7 minutes pour faire la remontada. Allez, on fait le système. Pourquoi c'est TJ Warren sur le terrain? Genre, je sais pas, rentre-moi Tyler Hero, rentre-moi les meilleurs joueurs, là. Ok. Ok, super bien, Wedge. Sauf qu'il reste 5 secondes, quoi. Bonne DMPG, super. Le rebond, voilà. Allez, les gars, on peut y arriver. On peut y arriver, les gars. Je vais chercher les fautes. Voilà, super. Il est froid, en plus, je crois, donc vamos. Et 2-1. Je suis à 8 rebonds, frérot, ça, c'est indécent. C'est là où Mobamba, il manque aussi, hein. Bonne dé. Dégagez, les gars, laissez-moi. Voilà. On va gratter des points tranquillement, les gars, même s'il faut qu'on se dépêche un peu. Il faut qu'on mette des paniers sûrs. Il faut qu'on mette des paniers sûrs. Ce serait bien que vous mettiez vos paniers aussi, les gars, pour le coup. Je suis vraiment tout seul, là. Corner. Pourquoi c'est Wagner qui a la balle, les gars? Super. Je force le système, hein, parce que ça avançait pas. Pas de N1. Ok, il en loupe un, tant mieux. 0 sur 2, let's go. Système, 3 points, ça rentre. Magnifique, c'est encore mieux. Au moins, c'est sûr de rentrer. On vient à 8 points, les gars. Allez, putain! Ils prennent temps mort, ils sentent que ça pue, là. Le MPG, il porte l'équipe. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire depuis le début du match, mais avec les prises à 2 et tout, c'était compliqué. On a besoin de 3 points, mais on n'a pas le shooter. On a Tyler Hero, mais il joue pas, il est sur le déco, frère. Ok, Markel. Ok, nice. Mets les deux maintenant, mon frérot. Il se fait manger par Jojo. Après, c'est sûr, hein, tout le monde se fait manger par Jojo, hein, mais... Wouah, là, je me suis fait manger par Maxé aussi. Hein. Le système à 3 points, s'il vous plaît, on a besoin de mettre du shoot. On prend un contre-pied, on y va. Let's go. Pff,
Putain, j'espère que c'est pas l'un des derniers matchs du... J'espère que c'est pas l'un des derniers dunks du MPG, les gars. Vous en verrez avec les autres persos, vous inquiétez pas. Le meneur 2K24, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire. Les gars, c'est maintenant ou jamais. Ok, tu me finis ça. Super, allez! C'est maintenant ou jamais, les gars! C'est maintenant ou jamais, les gars! Merci pour l'aide. Super. Donne. Faut que je porte l'équipe, c'est mon moment. Ok, nice shot. Nope. Allez, bon, Kiro, s'il te plaît. Super, mon ref, t'es un monstre. Il faut aller prise à deux. Prends ton shoot. Prends ton shoot, Banquero. Non. Joue au rebond. Putain, les gars, non, mais sérieux. On les a, les balles, pour revenir. C'est ça, le pire, vraiment. Non. Mais c'est pas possible. Mais putain. Bonne dé. Super. Et one. En fait, c'est à la fin du match qu'ils sont mis à se bouger le cul, mais quoi. À faire des cuts, à... Bon, les gars, on va pas se leurrer. On va pas se mentir. 10 points de retard, il reste 1 minute. J'ai tout donné, 39 points, 8 rebonds, une passe, 50% en shoot. J'ai fait un match vraiment pas mal. Hein. J'ai fait des meilleurs matchs. Hein. Je vous ai habitué à faire des matchs à 50 points, tu vois. Mais les gars, croyez-moi que 40 points quand t'as des prises à deux à Jonka sur toi, et que tes coéquipiers, ils sont incapables de prendre un shoot. Ah, si le takeover équipe, bon, le match est fini, quoi. C'est vraiment compliqué, quoi. Ça va donc être la fin du MPG, les gars. On a tout donné, les gars. Après, c'était le défi, hein. On avait gagné facilement le titre NBA avec les Lakers. On s'est mis au défi de faire quelque chose dans une équipe de bas de tableau, une équipe qui pue du cul. On a fini 4ème de conf, on a fait une saison de fou. Mais ça n'a pas suffi, les gars. Malheureusement, on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu les coéquipiers qu'il fallait. On n'a pas eu. Il aurait fallu un petit Kuzma, un petit. Au moins un gars qui est capable d'étirer un peu la défense. Un mec sur qui je suis capable de m'appuyer. Parce que là, à part Markel Fools, et encore, il prend pas ses shoots, tu vois. C'est donc la fin, les gars, du MPG. C'était son dernier match NBA, les gars. En vrai, je suis triste, c'est ouf. Je suis triste parce que c'était la... c'est le dernier. Mais en vrai, faut pas. Parce qu'on a vraiment vécu une bonne année, les gars. Je vous remercie pour cette année, c'était vraiment bien. Je suis vraiment content, les gars. Alors, ok, j'ai pas fait les vues d'NBA 2K20, tout ça, tu vois. Mais moi, je me suis éclaté cette année. Les vidéos carrières, je me suis éclaté. Chaque vidéo carrière, c'était trop cool à les tourner. C'était vraiment une bonne année, j'ai vraiment kiffé. Et vu que j'avais la carrière Twitch, la carrière YouTube, je faisais des différents trucs sur toutes les plateformes. J'avais mes best-of le week-end sur YouTube de temps en temps. À chaque fois que je lance une vidéo avec le MPG, c'était totalement différent de Twitch. Et à chaque fois, c'est des nouveaux trucs. Donc on va faire la même chose l'année prochaine, les gars. Vous le savez, j'essaye tous les ans de faire encore de mieux en mieux. En tout cas, les gars, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo avec... Ensuite, la semaine d'après, bah, c'est la sortie officielle du jeu, quoi. Donc après, en fait, vous avez même pas le temps. Hein. Mais d'un côté, c'est bien, parce que ça me laisse une vidéo. Vous aurez au moins une semaine, normalement, sans vidéo sur 2K23, tu vois. Parce que ça va faire une petite pause entre les deux, tu vois. C'est votre Gapaf. Merci pour tous les gars, vous êtes des cracks. Je vais dire à l'année prochaine, mais non, en fait, à dimanche, ensuite à la semaine prochaine, ensuite 2K24, il sort là. Bah. Donc, bisous les gars, je vous aime. C'était incroyable, le MPG. Incroyable. Je l'ai trop kiffé.